Au Mans, une nouvelle signalétique pour les parkings doit permettre de réduire la circulation avec un affichage dès la périphérie de la ville. Le but, désengorger le centre et limiter la pollution. Ce qui est important pour les élus de la métropole et nous qui sommes délégataires de la métropole, c'est d'avoir une offre d'accès en centre-ville, une offre complète. L'offre complète, c'est une offre de transport en commun, une offre de voiture sans que la voiture cherche. Une voiture qui cherche, qui tourne, qui cherche la bonne place, c'est une voiture qui pollue. Donc il faut que la voiture cherche, que la voiture ne cherche pas, qu'elle arrive et qu'elle soit dirigée immédiatement. D'avoir une offre vélo, d'avoir une offre piéton, il faut une offre multiple. Des travaux réalisés par l'opérateur privé Senovia et financés par le Mans Métropole dans le cadre de la réfection globale du centre-ville. Donc, lorsque les gens auront le choix entre un parking République ou un parking Jacobin presque saturé, sur lequel il faut tourner un petit peu, aller au moins 2, moins 3, moins 4, et puis un parking quinconce qui est à 100 mètres de plus de ville, mais où on peut facilement stationner, sans doute feront-ils leur choix. Les 11 panneaux devraient être mis en service à partir du mois de septembre.